Alain Delon. Anouchka aurait perdu le contrôle face à Alain Fabien. Violente altercation à Doutchi. Selon nos confrères de Voici, Alain Fabien et Anouchka Delon ont eu une violente altercation à Doutchi. Si durant ces dernières semaines, les tensions s'étaient apaisées entre les membres du clan Delon, voilà que de nouvelles révélations ont eu lieu dans la presse. En effet, selon nos confrères du magazine Voici, dans leur édition du vendredi 14 juin 2024, une violente dispute a eu lieu entre les enfants de l'acteur. Selon nos confrères, le 30 mai dernier, Anthony et Alain Fabien Delon auraient décidé de déménager les affaires de leur sœur. Anouchka, qui était entreposée dans l'une des dépendances de la maison de Doutchi, dans laquelle vit Alain Delon. Et il semblerait que l'enfant préféré du comédien ait très mal pris cette initiative. Anouchka aurait quitté Genève pour se rendre à Doutchi afin de confronter ses deux frères. Alain Fabien et Anouchka Delon, une réconciliation impossible? Le ton serait alors monté entre elle et Alain Fabien Delon, selon nos confrères de Voici. Le plus jeune fils d'Alain Delon aurait accusé sa sœur de « continuer à voler l'argent » de leur père. La mère de famille aurait alors eu une réaction violente à cette accusation et elle aurait tenté de s'en prendre à son frère. Selon Voici, les gardes du corps auraient tenté de séparer les deux enfants d'Alain Delon. La réconciliation n'est donc pas pour tout de suite. Pourtant, récemment, Anthony Delon, l'aîné de la fratrie, avait indiqué vouloir enterrer la hache de guerre. Anthony Delon prêt à pardonner? Invité sur le plateau d'En aparté, l'écrivain avait indiqué « J'aimerais ne plus en parler, le conflit pour moi il est derrière », avait-il indiqué. Je me suis toujours exprimé avec franchise. Le combat a été sur le fait que mon père reste ici, en France, à Doutchi, chez lui. Et aujourd'hui c'est là qu'il est. Donc si vous voulez pour moi aujourd'hui c'est terminé. Alors il y aura des dommages collatéraux, c'est certain, mais mon combat à moi il est terminé, tranche-t-il. Mais les rancœurs sont tenaces et les enfants d'Alain Delon ne semblent pas vouloir faire la paix. Une situation tragique pour l'acteur de 88 ans qui se retrouve au milieu de la guerre entre ses enfants.